Toute la journée, j'avais attendu les personnes annoncées par l'agence. Quand ils m'ont demandé pour la clé, il faisait presque nuit. C'était un couple de ces jeunes gens de maintenant. J'ai prévenu que l'électricité était coupée depuis la mort des vieux. Je leur ai donné la clé, des bougies, je leur ai montré le chemin et je leur ai souhaité bien du courage. Allez-y déjà, vous êtes au troisième, la première porte. Merci beaucoup, monsieur. On vous retourne à clé après. Oui, je vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Ça sentait comme chez les gens qui n'ouvrent pas la fenêtre pour dormir. Come on, don't stay there. Come in. Michael me disait d'entrer. J'avais 8 ans. Ma mère me poussait dans la chambre pour aller embrasser ma grand-mère malade. C'était pareil. Il faisait noir. J'avais peur. Michael, lui, se croyait sans doute dans un grenier de grandes vacances. Hey, look what I found. Déjà, je le savais. Je ne voulais pas dormir un seul jour de ma vie de femme dans cet appartement. C'était comme si l'esprit de ma famille, tout ce que j'avais quitté, l'univers de ma grand-mère, de ma mère, de la sœur de ma mère, me rattrapait là. Michael? Par hasard. Michael, where are you? Don't do that! Okay. Michael dirait que ce sont des frayeurs de bonne femme. Allumette. Café. Sel. Farine. This place is so old. Light, this old stuff. You should be glad. Pourquoi se moquait-il de moi? Bien sûr, j'aimais les vieilles choses, mais celle-là me repoussait. Oh, that's nice. The old lady. Je voulais fuir. Don't be childish. Oh, when you have something in mind. Pourquoi me retenir?
Oui, j'avais peur. Mais pas seulement du noir. There's a lot of work for you here. That's for sure. Michael en était au projet d'avenir. Eux aussi. Ils étaient venus ici parlant d'avenir. Ils avaient fait l'amour ici. Elle avait rêvé d'être enceinte. À la place, ils avaient adopté un oiseau. Jour après jour, ils mangeaient face à face. Mais petit à petit, leur corps s'était rétréci. Ils étaient morts ici, l'un après l'autre. Toujours est-il que le lendemain matin à 10 heures, l'appartement était à nous. À la façon dont Michael enfonça la clé dans la serrure, je compris qu'il était fier. Je lui ai souri. Welcome home. Les murs nous attendaient. It's a beautiful house. Thank you. Michael ne voulait plus parler. Et moi, je ne voulais plus lui sourire. After you. Hey, dummy. Notre crime dans ce tombeau était d'y être vivant. Un plat de spaghettis nous racontait la vie du vieux couple. You like some? After you. Just look at all this old junk. We could keep some of it, couldn't we? That? You must be crazy. Moi? J'aurais bien gardé la salière ou l'horloge. It works. Sure. Tiens, bonjour, monsieur le propriétaire. Je ne savais pas si l'hostilité que je sentais venait des objets ou du fantôme de ces gens-là. Peut-être que ce n'étaient pas des gens bien. Ils se disputaient. Il y a eu des paroles laides entre eux. Elles ne se sont pas évanouies et sont restées là comme des odeurs. Il faut pourtant que ce bric-à-brac ait fait plaisir un jour à quelqu'un. Would you like a present? Non, j'essayais de les imaginer autrement. Je le voyais, l'homme. Il devait être bon, gros, fragile, bricoleur. Come and see this, Michael. Really, nothing has been touched for a year. Il s'appelait peut-être Eugène et elle, Valentine.
Quand elle l'apercevait au coin de la rue, elle mettait la soupe à réchauffer. Cet aveu. Michael? She died on the 7th. Elle est morte le jeudi 7 avril. Un jour comme un autre, disait Michael. Le soir, elle avait mis la table. Puis, elle s'était couchée. Elle nous a laissé en héritage sa misère. It's funny. The night here is so different. Don't you think? Look, just like at your mother's. Oh, shut up. Soudain, je détestais Michael. Sa manière d'entrer en possession de cet appartement, pièce après pièce. You know what? What? I think we made a good deal. You really think so? Michael pensait avoir fait une bonne affaire. Moi, j'en étais pas si sûr. Why are you always pessimistic? Why are you always talking about money? Okay, give me a smile. Il me demandait de sourire. J'ai souri. Mais déjà, il ne me regardait plus. Peut-être lui aussi se laissait prendre au charme des objets. That's a woman. I should have been living in that time. Look at her. Vive la France. L'homme a peut-être vécu 99 ans, mais sa vie réelle s'est arrêtée après la guerre. Sa femme n'en a rien su. Puisqu'il était là physiquement, en train de mettre du bois dans le feu, apportant un broc d'eau, remontant le réveil, vivant ses souvenirs. Aussitôt propriétaire, Michael commença à faire place nette, à tout détruire, comme les hommes qui ne savent pas ce que c'est que donner la vie. En vrac, les lingeries qui restaient roses 100 ans, comme des miettes de fin de repas.
fleuve à la française, langouste, sauce, mayonnaise, tournée d'eau, jardinier. Oh là là. That was a wedding menu. Salutation de Marseille. Bien cher parent, cette lettre vous apporte tous vos vœux pour la nouvelle année. Je ne vous dis pas ce que notre cœur vous souhaite. Vous le devinez bien, mais surtout une santé sans faiblesse. Et pas seulement pour 1936. Nous vous souhaitons aussi beaucoup de travail, mais de travail facile et bien payé. J'espère que 1936 est une année meilleure que les autres. Votre fils, François. François, vous avez donc un fils? Très chers enfants, ici à Paris, les grèves sont finies. Leave those bloody letters. Come to help me, little. Oh, Michael, listen. Stop working. Michael était pressé d'en finir, irrité par ma mélancolie. Jaloux, peut-être. Certaines choses sont bien, mais malheureusement, les grèves ne sont pas aimées. La vie va augmenter et les ouvriers restent au même niveau. Pour moi, la santé va bien, toujours un peu plus vieux et un peu plus maigre. Je vous embrasse, mes chers enfants. Les objets criaient autour de nous, les vieux mouraient une seconde fois, alors qu'on ne savait même pas ce que serait notre vie. On était bien prétentieux. Grâce à Dieu, au moment des premiers coups de marteau, on me proposa du travail à New York. J'acceptai pour apporter un peu d'argent, heureuse de prendre la fuite. Je te demande pardon, Michael. Je ne t'ai aidé en rien, ni pour acheter cet appartement, ni pour le transformer. J'ai manqué l'imagination, ou j'en ai eu trop. Je t'ai jugé grossier, sans poésie, dépourvu de rêves. Je t'ai détesté. Je suis partie pour comprendre ici qui tu es et pourquoi tu fais les gestes que tu fais.
Maintenant, tu me manques. En ce moment, tes mains s'occupent de nos murs. Tu fais belle notre maison. Je reviens vite, Lisbeth. Je rentrais. J'étais gaie et amoureuse. Je me souviens, je n'aimais pas tellement l'un des tableaux. This one's nice. L'autre était joli. Ce n'était plus le même appartement. Michael avait tout calculé. Est-ce que ma place était comprise dans ce petit chef-d'œuvre? The fireplace work? Michael? What are you doing there? I'm hiding in spine. Hi. Came back. It was very bad. Is it a nice fight? Mm-hmm. I like my room. Beautiful, huh? Beautiful, yeah. Be the help of work that time you wasn't here. Look what I brought you. J'étais vraiment heureuse de lui offrir son cadeau. Il aurait préféré un jean. Ça, j'aurais dû m'en douter. It's a real antique, you know. Yeah? Mm-hmm. It's cheap. Spend money in this shit, you want to say? Sure. How much? $30. $30, I spent it. You know, I threw out one like this a month ago when I came to this place. Des horloges, il en avait cassé trois pareilles. It works? No. Et pour comble, elle ne marchait même pas. What are you doing? Trying to repair it. Stop it! You'll break it! Uh-huh. Look what you did! You broke it! You said it. You didn't like it anyway. You probably did that on purpose. Dans ma colère, je l'accusais de vouloir la casser encore plus qu'elle était. $30! That's crazy. Hey, it works. Sure. Come here. It works. I don't believe Listen. You. Works. Works. C'est alors qu'on a entendu le tic-tac. It does work. How did you do that? I'm a magician. That's incredible. We got a clock now. What time is it?
5 past 7. Congratulations. Thank you. Tell me, have you heard of Pushkin? Il était 7h05. Je m'en souviens encore. You like some tea? Sure. We'll make some. What time is it? À 8 heures, l'horloge marquait 6h20. En tout cas, elle marchait, même à l'envers. The time machine you bought for $30 is must go backwards. Ma machine à $30 remontait le temps. Anyway, would you arrange your stuff, please, while I'm making the tea? Yeah, I know. You're a real crazy. No, listen, you are getting all right. I do get the mess you made already. J'étais là depuis une heure à peine, et déjà Michael haïssait mon désordre et tous les signes de ma présence. Ne sachant plus à quoi s'en prendre, il trouva une scène de jalousie. Who you have seen in New York? Oh, I saw my mother, and I saw Doug, and I saw Don. I met Don in the street, yes? No, he called. He did an appointment with Don. Yeah, he called to say hi. He's your friend. What are you getting so upset about? He told me that you met him in the street. Well, listen, I'm not going to get upset. Don't fucking yell at me. I came 2,000 miles for this? Prétexte à sarcasme, le yoga, l'argent, mon voyage. C'était sans doute sa manière à lui de se défendre. Un blindé avec des soldats gouvernementaux qui agitent un drapeau blanc, c'est l'une des images symboliques de cette guerre du Cambodge qui se termine. Nous sommes le 7 avril 1975, il est 10h30. Les premiers groupes de Khmer Rouge font leur entrée dans la ville. Sure.
a game for adults. Nous nous sommes couchés. Nous étions malheureux. Que nous arrivait-il? Mon Dieu, mais que nous arrivait-il? You okay this morning? J'aurais dû le frapper. Il m'aurait battu. Nous aurions pleuré. Mais nous restions faussement gentils. Still works. L'horloge continuait sa marche à rebours et Michael se retirait à mesure. You want some coffee? Later.
Nous avons passé un après-midi très ordinaire, comme des gens qui n'ont plus rien à se dire. Michael arpentait la pièce comme n'importe quel mari odieux. Jamais cela nous était arrivé en 3 ans. Mais ce jour-là, on aurait cru que nous étions mariés depuis 30 ans. Moi, je jouais mon rôle de femme. C'était finalement ce que Michael voulait. Me mettre dans un appartement tout blanc, avec la télé, un fer à repasser et un réveil design. Plus tard, il eut besoin de voir que nous formions encore un couple. Close your eyes. What for? Close your eyes. Why? Close your eyes. I'm ironing. Close your eyes. Now what are you doing? You get surprised. Sit down here. Like that. Now open your eyes and smile. And keep on ironing now if you want to. Thank you. Photo, c'est le dernier moment heureux que nous ayons eu. Elle alla prendre sa place de souvenir. We're having spaghetti tonight, okay? Je n'avais plus le goût de faire la cuisine. J'ai jeté une poignée de spaghettis dans l'eau. When you finish your amateur photography, would you set the table, please? C'était son tour de mettre la table.
veut échanger la nuit, mais oui. Avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les tibétains, ces petites femmes-là. Monseigneur, exige de vous ton sacrifice. À l'exception des assistés, des chômeurs, des retraités. Michael, tu as vraiment beaucoup changé. Il m'a dit, j'étais plus heureux avant ton retour. J'ai décidé de partir. Il était 7 heures à l'horloge. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de ne pas revenir. Mais étions-nous encore libres de nos mouvements? Daddy, jumping around from log to log.
things back. Find out your friends away. Et après, on les a entendus bouger encore quelques mois. Ils ne sortaient plus du tout. Et puis, le silence. Alors l'agence m'a envoyé encore un couple. Je leur ai donné la clé et je leur ai souhaité bien du courage.